Allez, salut, salut les gars, voilà, salut tout le monde, c'est Mospita et aujourd'hui vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225 et je suis là juste pour répondre à quelques questions et aussi essayer de vous expliquer comment est-ce que vous devez faire pour postuler à la bourse du gouvernement brésilien. Donc si vous êtes intéressé pour cette vidéo, essayez de liker la vidéo, essayez aussi de partager la vidéo, voilà, à ceux vraiment qui en ont besoin. C'est assez important pour moi aussi. Voilà, donc comme je l'ai dit, je suis là pour la boussole du gouvernement brésilien. Donc pour le Brésil, ceux qui sont intéressés, déjà vous devez savoir que cette bourse-là, ça concerne que le master et le doctorat, c'est-à-dire que ceux qui viennent de finir peut-être la licence ou bien qui sont en voie de finir leur licence. Et n'oubliez pas aussi, la date limite, c'est le 17 juin. Donc ça veut dire qu'en réalité, vous avez au moins quelques jours, 2 à 3 semaines pour pouvoir postuler à cette bourse là, c'est hyper important. Voilà, donc n'oubliez pas, lorsque je vais finir, si j'ai il y a des éléments que j'ai omis de citer ou bien de générer, essayez comme ça de poser ces questions là en commentaire. Je vais comme ça essayer de répondre aussi sans problème, soit par écrit ou bien faire une nouvelle vidéo pour vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà, donc comme je le disais, Pour pouvoir poser cette bourse-là, vous devez avoir votre diplôme de licence ou bien vous devez être en mesure, c'est-à-dire en dernière année de la licence pour pouvoir postuler. Et aussi, vous devez savoir que vous n'êtes vraiment pas obligé de traduire le document. Si vous avez un document en portugais, en espagnol, en allemand, en anglais ou bien en français, alors vous ne traduisez pas le document. Ce n'est pas la peine de les traduire. Et même quand vous allez aller sur le site pour aller postuler, n'oubliez pas, je mettrai le lien du site en commentaire ou bien dans la description. S'il vous plaît, vérifiez d'abord avant de pouvoir poser des questions ou bien me trouver en inbox ou WhatsApp, parce qu'il y a plusieurs personnes qui écrivent WhatsApp. C'est pourquoi je suis dit cela. Voilà, donc comme je le disais, vous n'êtes vraiment pas obligé de traduire vos documents en anglais et tout, bien en espagnol. Voilà, ça c'est la bourse du Brésil. Il y a espagnol, il y a portugais, il y a anglais, il y a allemand et il y a français. Donc, à part ces 5 langues-là, vous devez maintenant, si vos documents sont en arabe ou bien en russe, vous devez les traduire vraiment en anglais. Si c'est dans autre langue, vous les traduisez en anglais. Voilà. Donc, comme je le disais, cette bourse-là, vous devez comme ça avoir les documents. Il y a votre diplôme de licence, il y a votre passeport. Voilà. Et il y a aussi, vous devez soumettre au moins, pour ceux qui font le master ou le doctorat, en tout cas ceux qui font le doctorat, vous allez voir qu'il y a plusieurs éléments aussi à soumettre. Mais d'abord, je vais finir avec celui du master. Donc, vous allez soumettre une lettre de motivation. Vous allez soumettre aussi deux recommandations. Ça dit, quand il dit les lettres de recommandation, les lettres de recommandation, ça concerne, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me posent la question, lettre de recommandation, lettre de motivation. La lettre de motivation, comme c'est indiqué, c'est ce qui vous a motivé vraiment à pouvoir postuler dans cette université-là, et pourquoi est-ce que vous postulez dans cette université-là, et pourquoi est-ce que vous postulez pour cette bourse, et aussi qu'est-ce que vous attendez de la bourse, vous comprenez. Donc c'est ce que vous expliquez dans la motivation. Dans la lettre de recommandation, c'est une personne qui vous a côtoyé, c'est-à-dire une personne qui a une position dans la société, je le répète tous les jours, c'est-à-dire professeur, tout, vous pouvez prendre tout le monde sauf une personne de votre famille. Voilà, si c'est un parent, c'est pas la peine vraiment de prendre ces personnes-là parce qu'ils ne vont pas accepter votre recommandation. Voilà, c'est une autre personne qui vous connaît qui doit envoyer une déclaration pour dire que vous êtes un étudiant ou bien un élève excellent et que vous êtes vraiment à présenter. Donc voilà, je sais que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Voilà, donc une lettre de recommandation. Et lorsque vous finissez, parce que vous voyez, la bourse du Brésil va prendre en charge tous les éléments sauf votre transport, aussi l'assurance maladie de là-bas. Lorsque vous allez avoir, vous devez avoir l'assurance maladie aussi là-bas. Voilà, et il y a aussi le transport de là-bas. Alors vous devez aussi présenter comme ça
une déclaration financière qui dit que vraiment vous, vous allez pouvoir gérer tous ces besoins-là lorsque vous allez arriver là-bas. Vous comprenez? Donc, vous devez avoir un garant financier. Le garant financier, vous n'êtes pas vraiment obligé de charger cela parce que vous avez eu une bourse. Le garant financier, avec minimum 4 millions de francs CFA, vous pouvez déjà proposer pour avoir la bourse. Vous comprenez? Voilà, donc c'est hyper, hyper important. N'oubliez pas ça. Si vous ne présentez pas un garant financier, c'est pas certain que vous puissiez générer vraiment cette bourse-là. Et une fois que vous finissez aussi, vous devez présenter que vous êtes en bonne santé pour aller y étudier. Donc, vous devez passer des tests médicaux. Quand il y a des tests médicaux, vous prenez, par exemple, moi je parle, je dis toujours parce que il y a plusieurs qui vont me demander quelles sont les maladies qu'on doit. Vous prenez, vous allez à l'hôpital ou dans une clinique et vous dites que vous voulez postuler à une bourse. Alors, on doit vous examiner pour tout. Et lorsqu'ils finissent de vous examiner, c'est-à-dire VIH, SIDA, tuberculose, hépatite dans les normes, ça ne doit pas manquer. VIH, SIDA, hépatite B, C ou bien A, et aussi tuberculose, ça vous devez faire forcément. Et après ça, il y a aussi d'autres maladies que vous devez ajouter. Ça, c'est la clinique qui peut vous conseiller cela. Et à la fin, la clinique doit écrire vraiment que vous êtes apte à pouvoir faire quoi? À pouvoir étudier à l'extérieur et que vous n'avez vraiment pas de problème. Il faudrait que la note soit sur le document pour ne pas vraiment que vos documents soient refusés. Voilà, donc une fois que vous l'avez, si je dois résumer, on a les diplômes et les relevés de notes. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les traduire. Il y a aussi le passeport. Vous prenez le passeport. Après ça, il y a l'assurance maladie. Ça c'est là-bas. Il y a aussi les tests médicaux, c'est-à-dire vous devez montrer que vous êtes en bonne santé. Il y a aussi le garant financier que vous devez vous en procurer avec minimum 4 millions. Il y a aussi deux lettres de recommandation, une lettre de motivation. Vous devez présenter votre CV. Voilà, donc c'est hyper, hyper important. Le CV, vraiment, il n'y a pas de caractère, il n'y a pas de critères. Si vous voulez vous mettre une photo, dans le cas contraire, ce n'est pas un problème. Mais moi, je vous conseille vivement de mettre une photo parce que la photo donne aussi l'aspect de bien-être et aussi d'une meilleure sélection. Vous comprenez? Voilà. Et à côté de cela, il y a aussi le fait que lorsque vous allez commencer à écrire votre lettre de motivation, il y a des critères à prendre en compte. Vous voyez? Le type de police, le caractère et aussi les alignements. C'est hyper, hyper important aussi. Vous pouvez voir, déjà, comme je l'ai dit, je vais mettre le lien en commentaire ou dans la description. Donc, vous-même, vous allez pouvoir aller voir et aussi essayer de comprendre ce qu'ils demandent pour pouvoir vraiment postuler. Voilà, donc, comme je l'ai dit aussi, la bourse prend en compte la scolarité. Voilà, il y a le dortoir aussi. Voilà, et si possible aussi, vous avez une cantine dans votre université, vous allez pouvoir l'utiliser. Et je répète encore, vous avez la possibilité de choisir entre 2 à 5 universités, vous comprenez, dans le même pays. Donc, essayez comme ça. Moi, le conseil que moi je vous donne, essayez de dispatcher, c'est-à-dire essayez de prendre des régions qui sont assez éloignées pour ne pas vraiment qu'il y ait confusion sur votre porte de dossier. Voilà, donc les gars, c'est un peu ce que je voulais vous dire. Et n'oubliez pas, on suit les étudiants qui sont vraiment intéressés. Ceux qui souhaitent solliciter nos services, on les suit. Il y a notre numéro en description ou bien aussi en commentaire. Si vous voulez vraiment qu'on suive votre dossier, faites-nous signe. Nous sommes là pour ça. On va vraiment suivre votre dossier sans problème. Voilà. Donc, les gars, c'était moi, Samuel Hospital. Et vous devez savoir que vous êtes sur la chaîne de M. le Russe 225. À plus, les gars.